Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous aurez pu le remarquer, ça va être un test de ch'ti. Bon, des expressions, etc. Est-ce que je les connais toutes? Pour ceux qui ne savent pas, bah évidemment, je viens du Nord, sinon je ferais pas ça, ça aurait aucun intérêt. Évidemment, on parle pas tous comme ça, donc il y a quelques expressions que je connais pas, parce que j'en utilise peut-être pas beaucoup en parlant en général, mais il s'avère que je viens de ch'nord. Bon allez, c'est parti, c'est un test, donc si elle est assez court, on en fera peut-être des autres, on verra. C'est un petit quiz avec des questions, il faut deviner un peu les mots, les expressions, tout ça. Au lieu de dire tête, il faut dire. Bah alors celle-là, je l'ai pas du tout. J'hésite entre la C et la D, je vais dire la D. Qu'est-ce que c'est un nickdoul? Ça, je sais ça. C'est un imbécile, ça. Enfin, personne dit ça. Mais je le sais, je sais pas pourquoi. Pour dire chaud, on dit il fait kyo. Bah, on va mettre KO, hein. Il fait kyo. Que signifie mi? Bah, c'est moi. Ça, c'est assez simple. Nonoche? Nonoche. Bah, c'est genre. T'es un peu con, quoi. J'imagine que c'est simple d'esprit. Qu'on dit voir? C'est vir. Je crois que c'est ça. Vire de tronche ou un truc comme ça. Non, je pense que c'est vire. Ah bon, on verra si j'ai faux ou pas. Bon, ça va aller vite, hein, il y a 15 questions. On fera sûrement d'autres trucs. Si on vous demande, ça va toi, vous répondez Chavami. Ouais, je crois que c'est ça. Chavami, hein. Zot. Non, c'est Chavami. Parce qu'il y a, ouais, il y a le truc Tizot, mais Mizot, ça me dit rien. Hein. Ça me dit rien du tout. Pour parler d'une chose, on dira une cause. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Ça n'a pas de sens. Mais c'est comme ça que ça marche. Pour dire au revoir. À la revoyure. Ça, je le dis. Notre rôle, je le dis. qu'est-ce que quinquin? Qu'est-ce qu'un quinquin? Ah, un quinquin. Un quinquin, c'est un idiot, non? J'ai pas du tout celle-là. Laquelle de ces expressions est ch'ti? Vin de juice. Vin de juice, quoi, quand même. Au lieu de dire raconter des histoires, on dit raconter des. Icarabitouilles. C'est le seul mot que je reconnais. Les autres. Des carabistouilles. On ne dit pas petit, on dit tio. Eustio. Qu'est-ce qu'un babache? Un babache. Ah, si. Un idiot. Qu'est-ce qu'un. Qu'une parlotte. C'est une conversation, genre une personne. Ouais, c'est genre. C'est une petite discussion, quoi. C'est une petite parlotte. J'ai 10 sur 15. Mais je sais pas sur quoi j'ai faux. Ah non, ça par contre, c'est nul. Ok, j'en ai un autre. J'en ai trouvé un autre. Bon, il y a 10 questions. Que signifie. À Tourade, ça me dit rien du tout. Je connais pas. Et je dirais à bientôt. Machuqué. Ah, c'est mâché. Ça, c'est mâché, ça. Basse camp. Hein? Bah, je dirais la cave, mais je sais pas du tout. Un courti. Bon, alors là, aucune idée. Je vais dire potager. Un biclou. Un biclou, c'est un vélo, non? Je crois que c'est un vélo, un biclou. Ça me dit ce truc, biclou, vélo, tout ça, tout ça. Persicite. Zizit. Ah, persizit. Pas zizit, zizit. Ouais, bah, y a moyen que ce soit l'épicé, juste, hein, tout simplement. Berdoul, toutoul. Voilà, donc on a quoi? Chien crouté, poêle mal allumé, mal dégourdi. Allez tous vous faire voir. Berdoul, toutoul. Mais écoute, c'est quoi ça? Et je dirais, allez tous vous faire voir, ça serait vraiment drôle, mais je connais pas du tout. Pizang, Pizang. Oh, c'est foufou, hein. C'est foufou. Quand t'es. Raquané. Et je dirais boudé. Et c'est plein de trucs que je connais pas forcément. Brouillage. Et je pense qu'ils ont cherché les trucs les plus compliqués là. Parce que. Eh, je. C'est pas mon truc. Ça me dit rien du tout quasiment. Brouillard. Non. Valider mes réponses. J'ai eu que 40%. Non, en même temps, c'était que des trucs durs. Pour connaître les bonnes réponses, sauvegardez votre score et créez votre propre quiz. Bah, évidemment, je vais faire ça, tiens. Puis elle a l'air pas mal. On va voir. On a encore 10 questions. Ok, let's go. Eti, Starkono, t'es de main coin. Ah, déjà, c'est je te reconnais. Tout simplement. Enfin, simplement. Bon, quand tu connais, tu connais, quoi. T'es toujours un petit coin. Non, tu es de mon coin, genre, tu viens de chez moi. Ça va. Meti, Atnez. Ah non, c'est Meteu. Meteu, Atnez. Oh, mets-toi à ton aise, hein. Là, pour le coup, suffit juste de lire, en vrai. Pas ça va, hein. Elle fait pas ce nage. Elle ne fait pas son nage. Mais il y a juste... Attends, en fait, c'est bien, mais en même temps, c'est assez simple, en vrai. Vacar des betteraves. Va chercher. Claire. Par contre, je connais, tu vois, d'expressions un peu de... Je connais plutôt de sons, un peu les mots, tout ça. Et j'ai jamais écrit ch'ti. Jamais. Enfin, ça c'est... Je sais pas si ça s'écrit en soi, vraiment, mais... Genre, à l'oral, ça m'arrive souvent. Je crois que c'est quoi que chez... De berdouille. Qu'est-ce que tu bafouilles ou qu'est-ce que tu fous dans la boue? Qu'est-ce que tu dis? Berdouille. Je dirais bafouille. Ou tu dis un centre les deux là. Ah, qu'est-ce que tu dis? Ok. My bad. Tu ne vas pas te lécher à battre.
Non mais ça va, t'as juste genre à traduire, enfin, on a l'impression que c'est juste mal écrit en fait. Oh ça me fume. Et je dis là, il manque une touque. Quand t'as une touque, c'est une case. Ouais, c'est ça, celui-là lui manque une case. C'est quand t'as une touquette par exemple, c'est que... T'es barjou quoi, t'es barjou. Tu devrais écouter davantage ta maître. Tu devrais écouter davantage ton maître. Ouais, bah écoutez, pas très compliqué finalement. Tes caveux, ils biquent, tes cheveux. Mais de toute façon, en fait, le problème, c'est qu'il y a caveux, mais ils mettent trois fois cheveux, donc forcément, essayez de mettre des mots différents à chaque fois. Ibique, c'est Idris. Chien menteux, comme un arracheux, d'un, c'est un menteur, comme un arracheur de dents. J'ai eu faux, bah, sur un truc. Ok. Ok, on a un truc, que signifie bonjour Tartus. Tout le monde, let's go. Suivant. Que signifie merci à masse? Attends, merci en masse. Et ça me dit rien du tout, mais ça doit être encore. Ça aucun. En fait, ça a toujours un petit peu de ressemblance quand même. Bah, ça a pas eu. Enfin, là, ça n'avait pas, mais. Que nique douille. C'est imbécile. Imbécile. Je te care. Je tiens à toi, je dirais. Ouh! Un pigeon! Classique. Faire, c'est trop tour. Mourir, courir, faire les courses. Faire, c'est trop tôt. C'est mourir? Wesh. Non, mais là, c'est que des trucs. Si t'as bon, tu as vu ça, je crois. Tu vois, c'est trop bon. Non. Quoi, tu vas y avoir droit? Wesh. Attends, mais. Il est fait un bénache. Il s'est fait la malle. Il est très content. Il est triste. Je pense qu'il est triste. Mais wesh. Je suis en train de tout rater. Brandzang. Ivre, fou drôle. Je dirais. Ivre. Let's go! Hasard. Sucre! Du sucre! Classique! Quinquin? C'est un bébé, un quinquin. Ok. Je crois qu'on l'avait fait tout à l'heure, mais c'était pas écrit comme ça. Après, tu vois, c'est que ça. Il n'y a pas une écriture pour chaque truc. Dans tous les cas, bon, c'est la même chose. Hein. On reconnaît un peu au son, mais. Alors, avoir des Russes. Des ennuis, je dirais. Let's go! Je sais pas pourquoi, mais je dis ça au pif. Évidemment. Merde, il y a un timer qui s'est déjà lancé sur celui-là. C'est parti. Qu'est-ce qu'une wasang? Ça, c'est une serpillère, ça. Le mot wasang est en flamand washing et qui signifie. Mais je m'en fous. En vrai, il va y avoir des. Ouais, ça peut être intéressant. Ça dépend des trucs. Quand on vous demande de laisser la porte contre, qu'est-ce que ça signifie? Fermé, non? Ah non, entre-ouverte. Je me fais un petit peu douiller sur les explications. Bon, après, il n'y en a pas forcément. Hein. C'est juste comme ça que ça se dit. On pourrait expliquer le sens de je te dois quoi par la phrase. Je te dois quoi? Je te tiens au courant peut-être. Ouais. Contrairement à ce que vous pourriez penser, je te dis quoi? N'est pas une question mais une affirmation. Ça signifie simplement que vous aurez la réponse plus tard. Il a le même. Ah oui, bah oui, je te dis quoi? Ah oui, c'était pas je te dois quoi? C'est je te dis quoi? Attends, mais c'est pas que du Nord, ça on est d'accord si? Je te dis quoi? C'est genre en mode. Je te tiens au jus ou. Normal. Qu'est-ce qu'une tarniole? Ouf, classique. Une gifle. Quand on dit qu'on va à la Ducasse, on va à la fête foraine. Évidemment. Être à pied de chaussettes signifie. Être à pied de chaussettes? Marcher avec des chaussettes aux pieds, enfiler ses chaussettes, être à côté de ses pompes. À pied de chaussettes. Je dirais ça? Marcher avec des chaussettes aux pieds. Mais pourquoi tu mets des expressions qui servent à rien? Mais. Alors, qu'est-ce qu'un braillous? Un braillous, c'est un. Attends quoi? Un cheval? Une personne qui pleure? Ah, je crois que c'est peut-être ça. Une personne qui pleure, ouais, parce que quand tu brailles. Non, pleurer se dit souvent brire. Ouais, voilà, braille et brire. Un braillou, c'est un braillou. C'est une personne qui pleure souvent, mais aussi qui se plaint beaucoup. Oh, un dadé, c'est quoi? Un tio, j'étais un enfant. Un tio. Quand on a une soufflette, on a une ampoule au plaid. Au pied. Ok. En vrai, je savais pas trop, mais j'ai juste deviné. Une paluche, c'est une main. Suivant. C'est du pain, effectivement, c'est du pain. J'ai eu 7 sur 10 finalement. Pour fermer la porte, pour être à côté de tes pompes et une main. Ouais, c'est vrai que c'est un pain, mais je pensais que c'est une expression quand même pour dire une main. Bon, bah finalement, j'étais pas si bon que ça, mais j'ai quand même eu pas mal de trucs. Je pense qu'il y a certaines expressions, même en n'étant pas du Nord, on connaît forcément. Bah, de toute façon, avec les films ou les trucs comme ça, forcément, on en a déjà entendu. J'espère que ça vous aura plu, c'était plutôt cool. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.